La remise de prix de la 8e édition du concours d'embellissement des collèges s'est déroulée ce mardi 12 septembre, domaine des Tourelles à la plaine des Palmistes. Un concours remporté cette année par le collège Joseph Bédier de Saint-André, qui a reçu un chèque de 4 500 € pour poursuivre l'amélioration du cadre de vie des élèves. C'est magique, madame. On a fait beaucoup de choses. On a terminé 3e, 2e, 1er. On a laissé passer et aujourd'hui notre vengeance on l'a prise. Donc aujourd'hui on est premier. On s'est battu avec nos armes et puis on a gagné. Voilà. On a plutôt essayé de embellir et mettre plus de valeur à notre collège pour avoir plus de fraîcheur, plus d'eau, etc. Initié en 2012 par le conseil départemental, le concours d'embellissement des collèges est une opération qui associe les élèves et le personnel des collèges pour l'aménagement et le fleurissement des espaces. Embellir, c'est aussi pouvoir aller sur la connaissance de notre biodiversité, porter un projet, créer ensemble. Et donc, toute cette conscience, toute cette conscientisation a été vraiment prise à cœur par chacun des acteurs qui étaient présents sur ce projet porté par le département. Et ça a été une belle réussite, un bel engouement. C'est préparer l'avenir de demain avec notre jeunesse. 20 collèges ont participé à l'édition 2023 qui se décline en 4 catégories, cours, jardin, hall et façade. Un jury composé d'élus, de professionnels et de membres d'associations a désigné les lauréats.